Bonjour. Est-ce que vous m'entendez déjà? Tout se passe bien? On peut avoir une réponse. C'est tout nickel. Ok, super. Je suis Anastasia et aujourd'hui je vais vous faire une présentation. Je suis accompagnée de quelques personnes qui vont m'aider à voir. Le chat avec lequel on va pouvoir échanger, etc. Donc, si vous voulez vous présenter. Ah mince! Ok. J'ai un petit souci, 2 minutes. Je vais essayer de régler ça. J'ai quitté les personnes qui m'accompagnent. Allô? Oui. Bonjour. Voilà, désolée. Du coup, je disais que j'étais accompagnée de quelques personnes qui vont m'aider à voir ce qui se passe dans le chat. Si vous voulez vous présenter. Ben du coup, Colin, membre de l'organe des crafters Lyon, et je passe la main à Florent. Ouais, bah, Florent, développeur, et je fais partie aussi du collectif. Et Romain aussi, développeur, partie du collectif également. Ok, merci. Donc c'est parti. Je vous propose une présentation qui devrait durer 1 heure, je pense. Voilà, sur le craft et la data. Donc c'est parti. Donc je m'appelle Anastasia, comme je disais, je suis développeur data. Je participe au Meetup Craft et il n'y a pas très longtemps, il y a une personne qui m'a demandé si en tant que développeur data, je développais encore. Alors, passé l'effet de surprise, je me suis dit que peut-être que ce que je faisais au quotidien n'était pas toujours aussi clair que ça. Et du coup, je me suis dit que ça valait peut-être le coup de faire une présentation pour éclairer en partie le sujet. Je vois qu'il y a des problèmes de son. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, c'est plus fort. Ok, très bien. Donc l'idée, c'est de vous présenter un petit peu les activités d'un développeur data en regard du manifeste Craft. Donc j'ai ici une slide qui me présente un petit peu professionnellement avec quelques hashtags. Donc je viens du monde PHP, donc j'ai fait du back-end. Et puis à un moment donné, j'ai sauté dans le monde de la data et aujourd'hui je suis ingénieur machine learning. Alors déjà, ça peut paraître être un peu compliqué. Vous avez peut-être déjà entendu parler de data scientist, data ingénieur. Et là, j'ai introduit un nouveau mot. On verra tout ça plus tard. Pour l'instant, on va regrouper toutes ces mêmes personnes en disant que c'est des personnes qui développent en étant spécialisées dans la data. Et je travaille pour Konecranes, qui est une entreprise finlandaise spécialisée dans la fabrication des engins de levage. Et qui a ouvert du coup un lab de data science il y a 9 mois sur Lyon. Je vais commencer tout de suite par des disclaimers en disant que ce que je vais vous présenter, ça reste malgré tout ma vision des choses due à mon expérience et ce qu'il y a autour de moi. Donc vous pourriez rencontrer un autre développeur data qui vous présenterait les choses peut-être un peu différemment. Voilà. J'ai plusieurs objectifs avec cette présentation. Donc la première, voilà, comme je disais, c'est répondre à la question est-ce que je développe encore et au-delà de ça, qu'est-ce que je fais concrètement dans mes missions au quotidien? Je voulais aussi parler du fait que certaines choses m'ont personnellement arraché la tête par rapport à ce que je considérais être craft. Et puis, le craft, c'est quelque chose dont on parle dans le domaine de la data. Voilà, donc qu'est-ce qu'on en dit? Est-ce qu'il y a des choses dont on parle un peu plus particulièrement?
J'ai essayé de faire la presse par rapport au manifeste CRAF, ce qui nous permet de voir un petit peu le manifeste. Donc, que dit le manifeste? Le manifeste dit plusieurs choses. D'abord que pour avoir des logiciels opérationnels, il faut aussi avoir des logiciels bien conçus. Que pour s'adapter aux changements, il faut ajouter constamment de la valeur. Qu'au-delà des individus et des interactions, une communauté de professionnels fait sens. Et enfin, que des partenariats productifs peuvent servir au-delà de la collaboration avec les clients. Donc c'est à chaque fois un plus qui inclut ce qui est à gauche. Donc finalement, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses hein, qui se recoupent avec le monde du back-end ou ce genre de choses. Et moi, je vais essayer d'aller dans certains éléments qui sont plus spécifiques à ce que je connais dans le domaine de la data. J'ai pas forcément pris le manifeste dans l'ordre, je l'ai pris dans l'ordre qui faisait sens pour moi pour cette présentation aujourd'hui. Donc le premier élément, c'est pas seulement l'adaptation au changement, mais aussi l'ajout constant de la valeur. Donc là, ça va me permettre de faire une introduction assez rapidement sur ce que je fais au quotidien. On va voir finalement comment on ajoute de la valeur en data. Généralement, ça marche toujours à peu près de la même manière. Vous avez de la donnée en entrée. On va la transformer et on va en ressortir de la donnée. Donc cette donnée, ça peut être plein de choses. Ça peut être des données qui viennent du marketing, des données qu'on aurait scrappées depuis le web, des données qu'on aurait prises sur une API, de l'open data, ça peut être énormément de choses. On peut l'avoir pris donc de plein d'endroits, donc de Kafka, base de données, FTP, fichiers distribués. Et ça peut être toutes sortes de formats, d'éléments, j'ai envie de dire. Donc ça peut être par exemple de la VRO, du parquet, ou alors des formats un peu plus exotiques comme du CSV, de l'XML, ce genre de choses. Donc ça, c'est notre donnée en input qui peut être assez variée. On va la transformer et puis il y a une donnée en output qui, pareil, ça va être les mêmes sources. On renvoie vers une API, on renvoie sur un FTP, ça peut être tout un tas de choses. Du coup, on retrouve un peu ce pattern dont on entend parfois parler qui est le extract. Transform, unload. Donc extract, j'ai mes données en entrée, transforme, et ensuite je load. Bon, ok. Maintenant, on va prendre un peu plus d'exemples pour voir ce qu'on peut en faire et qu'est-ce que ça veut dire cette transformation, cet input, cet output. Supposons que j'ai un service qui envoie des newsletters. Je suis sur une plateforme de vidéos en ligne et je veux envoyer des newsletters qui soient personnalisés. Du coup, là, je vais travailler sur les données utilisateurs. Et ce que je vais faire, c'est que, en fait, j'ai plein d'événements d'utilisateurs, c'est-à-dire qui regardent quoi, grosso modo, et comment ils le regardent, à quelle heure, ce genre de choses. Ça me donne tout un tas d'informations sur les utilisateurs. Et ces informations-là, du coup, je vais pouvoir les transformer pour en faire des segments. Et ces segments, je vais pouvoir les envoyer au marketing, par exemple, pour qu'ils puissent faire des newsletters personnalisées. Du coup, ça peut être une newsletter personnalisée sur parce que les personnes qui aiment bien la cuisine, les personnes qui aiment bien les émissions documentaires, ce genre de choses, mais aussi le comportement, les personnes qui viennent le soir, les personnes qui ne viennent que la nuit, ce genre de choses. Ça peut être un élément. Autre exemple, complètement différent, tous ces exemples sortent de la vie réelle. Vous pouvez être un acteur asiatique, par exemple, un acteur asiatique du monde du pneu, qui voudrait connaître un peu mieux le marché européen. Et du coup, il demande qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui se passe dans le monde européen du pneu, qu'est-ce qui se vend, à quel prix, quelle taille, quel type de pneu. Bon, ça peut être énormément de choses. Là, du coup, vous allez rentrer dans un web scrapping, donc vous allez scraper le web, sortir tout un tas d'informations sur les pneus qui sont effectivement vendus tous les jours. Vous allez pouvoir faire tout un tas de statistiques descriptives en disant en moyenne pour telle gamme de pneus, c'est ça, etc., etc. Et du coup, ça donne plein d'informations à la personne en question pour pouvoir prendre des décisions et savoir ce qu'elle peut espérer.
Autre exemple complètement différent, on pourrait vouloir prédire des pannes. Essayer de prédire le futur. Donc, supposons que nous ayons une chaîne de bus et nous voulons savoir si, nous voulons prédire les pannes des portes à l'avance. Donc on a des portes dans ce bus qui s'ouvrent et qui se referment. On voudrait savoir si on peut prédire à l'avance une porte qui va plus, qui ne va arrêter de s'ouvrir ou qui va rester ouverte à jamais. Donc là, on pourrait prendre des événements, donc par exemple quand une porte s'ouvre, quand une porte se ferme, et puis se dire ben ces événements-là, essayer de les corréler avec des pannes qui ont réellement eu lieu. Et de cette manière-là, on pourrait prédire une potentielle panne. Donc là, je pense que certaines personnes me voient arriver. Là, en fait, on est dans ce qu'on appelle le machine learning. Et effectivement, il y a de plus en plus de machine learning dans le monde de la data. Donc c'est l'idée, en fait, d'apprendre ces règles par rapport à ces événements d'ouverture, fermeture de porte et la panne, de pouvoir faire une corrélation et d'apprendre ces règles. Je vais décrire un petit peu rapidement ces éléments-là, ces petits buzzwords pour qu'on puisse passer au-dessus. Donc qui dit machine learning dit souvent le buzzword qui arrive derrière, intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est super dur à définir parce que finalement, c'est une définition qui souvent évolue. On a tendance à considérer que quelque chose qu'on a déjà fait, ben, c'est plus l'intelligence artificielle parce que bon, ben, c'est bon, maintenant c'est plus tellement intelligent si une machine peut le faire. C'est un peu compliqué. La définition que j'aime bien, qui est donnée par plusieurs chercheurs de l'intelligence artificielle, c'est de se dire que finalement, c'est le fait de reproduire par des machines le processus cognitif, des processus cognitifs. Donc, en ce sens-là, finalement, on est sans doute plein à en avoir déjà fait. Et on pourrait imaginer faire de l'IA avec des règles explicites, donc des if-else qu'on écrirait vraiment directement. Et on appelle ça de l'IA symbolique. Aujourd'hui, la recherche et les dernières avancées se concentrent plus sur justement le machine learning pour arriver à l'intelligence artificielle. Donc le machine learning, c'est le fait d'avoir une machine qui apprend des algorithmes et on lui dit pas directement ben, c'est ça l'algorithme, c'est elle qui le devine en fonction des paramètres qu'on lui donne. Et à l'intérieur du machine learning, forcément, enfin je pense que vous en avez entendu parler, on parle souvent de deep learning. Le deep learning, finalement, ce n'est qu'une sorte de machine learning. Donc à base de réseaux de neurones et de plusieurs couches. Mais le machine learning, à la base, enfin, ça peut être fait avec plein d'éléments. Le deep learning, c'est juste une spécificité. Donc là, j'ai mis trois carrés pour montrer un petit peu ce que c'est. Donc deep learning, spécificité du machine learning. Machine learning, l'un des moyens de faire de l'intelligence artificielle. Quand on rentre dans ce genre de processus, il y a généralement une pipeline qui s'établit, qui est la suivante. On va d'abord collecter la donnée, nettoyer cette donnée, rassembler la donnée, extraire de nouvelles caractéristiques, apprendre enfin, valider et expliquer cet apprentissage et mettre en forme le résultat. Alors vous trouverez des tonnes d'autres exemples de pipeline. Moi, j'ai construit celle qui fait du sens pour moi. La première étape, du coup, ça va être de collecter les informations. Donc c'est là où, en fait, je vous disais, on peut avoir des données du web, etc., marketing, du Kafka, des bases de données, peu importe le format. J'insiste un peu là-dessus parce que, finalement, c'est déjà un morceau en soi, parce que souvent, on se dit, ben très bien, j'ai un extract Excel et du coup, avec cet extract, je vais pouvoir apprendre des choses. Ok, c'est bien, mais généralement, ce qu'il nous faut, c'est un flux continu de data. Il faut continuer à apprendre. Donc, il faut que la donnée, elle arrive de manière permanente chez nous. Ça veut dire qu'il faut mettre des choses en place pour que ce soit le cas. Deuxième étape, nettoyer. Ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent, enfin, c'est une complainte assez récurrente dans le monde de la data. C'est que la donnée est sale. Donc, on peut avoir des données qui sont non cohérentes. Or, des fois, on peut pas du tout travailler dessus, ça veut dire qu'on remonte au service et qu'on essaye de trouver une autre manière d'avoir une meilleure donnée. Parfois on se dit bon bah il y a juste une partie qui est sale, on la zappe et on arrivera à apprendre avec ça. Et puis il y a aussi tout ce qui est données manquantes. Données manquantes, ça veut dire que
Ben, il nous manque des informations. Il peut nous manquer des informations parce que le système a buggé, parce que les gens n'ont pas voulu le remplir. Mais pourquoi les gens n'ont pas voulu le remplir? L'exemple qui me vient le plus souvent, c'est le sexe, par exemple. Certaines personnes pourraient ne pas vouloir remplir le sexe lors d'un formulaire parce qu'elles n'en ont pas envie, parce qu'elles n'ont pas envie de le donner. Donc voilà, ça, déjà, il commence à y avoir pas mal de sous-entendus quand on est face à une donnée manquante. Et ensuite, ben, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on considère qu'on a trop de données manquantes? On s'arrête? Est-ce qu'on enlève la colonne? Est-ce qu'on enlève la ligne? Est-ce qu'on remplace par une moyenne? Ce genre de choses. Donc déjà, il commence à y avoir pas mal de décisions à prendre en explorant cette donnée et pas mal de choses à mettre en place pour nettoyer cette donnée. Troisième étape, rassembler des informations. Par exemple, nos utilisateurs qui vont sur la plateforme vidéo, peut-être qu'ils vont voir des blogs, par exemple, des pages statiques qui ont un lien avec ces vidéos et peut-être qu'on peut en tirer plus d'informations. Mais pour ça veut dire bah, qu'il faut connecter les deux. Donc, ben, peut-être avec un cookie, peut-être avec un mail. Voilà, ce genre de choses. Donc, ça peut être rassembler ce genre d'informations, ça peut être rassembler tout un tas d'autres informations. Quatrième élément, extraire de nouvelles caractéristiques. Parce que par exemple, je prends l'exemple de nos bus qui ont un élément d'ouverture et un élément de fermeture de la porte. Mais en fait, on s'en fiche, nous, ça fait pas de sens. A priori, ce qui aurait plus de sens, c'est l'intervalle de temps entre ces deux événements-là. Donc ça veut dire qu'on va sortir d'autres éléments de ces événements qu'on a qui sont assez bruts. Donc ça peut être une grosse partie de travailler là-dedans, de donner plus de sens à nos données, et puis aussi tout simplement d'en réduire la dimensionnalité pour ne pas avoir à apprendre sur énormément de choses. On peut vouloir la résumer. Ensuite, on va enfin apprendre. On va prendre la donnée, la passer dans une moulinette et en ressortir une fonction qui va mapper les deux. Donc par exemple, on a des informations, on a le temps d'ouverture-fermeture porte en secondes et si ça a déclenché une panne. On prend ces données, on les passe dans notre algorithme et ça va nous sortir une fonction. La dernière fois, j'ai entendu quelqu'un qui disait finalement cette fonction, il faut imaginer qu'à la fin, on a comme une classe Java. Ou peu importe le langage, où on aurait une fonction prédicte qu'on pourrait déjà utiliser et qu'on n'aurait jamais générée nous-mêmes. Et effectivement, dans cette fonction prédicte, il y a des chances pour qu'il y ait des if-else, il y a aussi pas mal de chances pour qu'il y ait une formule mathématique. Voilà, ce genre de choses. Et cet algorithme qui va nous permettre d'avoir cette fonction, il peut être de différentes formes. Donc, on entend surtout parler des réseaux de neurones, mais en réalité, ça peut être tout un tas d'autres éléments, tout ce qui nous permet de générer une fonction de prédiction en mappant nos pannes avec nos événements. Ensuite, on va passer à une partie validation à explication. C'est-à-dire que il faut pas complètement, enfin, il faut pas juste apprendre. Il faut aussi être sûr de ce qu'on apprend. Donc, ça veut dire qu'il faut valider que l'algo qu'on a choisi, que tout ce qu'on a choisi, les données, la manière dont on a décidé de les cleaner, etc., ça marche. Donc il faut prouver, valider ce qu'on appelle notre modèle qu'on construit. Puis il faut l'expliquer. L'expliquer, ça veut dire sortir un petit peu de cette boîte noire dont on entend aussi pas mal parler et dire en fait pourquoi est-ce que notre algo il en arrive là? Bah par exemple c'est parce que quand l'ouverture-fermeture de porte excède 2 minutes, à coup sûr il va y avoir une panne. En réalité, ces éléments-là, ça n'a pas ont lieu que pour des raisons éthiques, ce qu'on entend le plus souvent à parler. Ça peut aussi justement avoir lieu pour des choses, j'ai envie de dire, assez simples. Par exemple, si vous avez un technicien qui va agir sur une panne avant qu'elle n'arrive, ok, c'est peut-être moins cher d'agir sur une panne avant qu'elle n'arrive parce que vous n'êtes pas un dimanche, le bus n'est pas en train de rouler, vous avez le temps de planifier tout ça, mais il faut lui donner confiance au technicien. Il faut qu'il arrive sur les lieux en se disant, ok, il va y avoir une panne, je vais investiguer. En fait, j'aime bien l'idée de le comparer au fait d'avoir un bug. C'est un peu compliqué de se dire, on va avoir un bug, mais on ne sait pas encore lequel. Donc il faut avoir des éléments pour se dire, ok, j'y vais, je vais réparer la panne, je vais trouver ce qui va se passer. Et puis il y a la partie mettre en forme le résultat. Donc là, ça peut être des graphes, c'est souvent beaucoup de graphes, mais ça peut être aussi de l'alerting, une API, une appli web classiquement qui utiliserait
qui utiliserait toutes ces informations-là. Donc finalement, à la question « est-ce qu'on développe encore quand on fait de la data ?», on voit qu'il y a plein d'éléments où on a pris de la donnée, on a transformé, et tout ça, c'est du code. Donc, ben oui, on continue à développer. Mais, on peut aussi répondre que, en fait, pas toujours. Mais ça, c'est vrai pour, je pense, tous les métiers de développeurs. Notre plus-value n'est pas toujours d'être dans le développement pur du produit. Et oui, je compte les développeurs dans les générateurs de if. Exactement. Je considère que les gens qui travaillent dans la data sont au même titre que les autres des développeurs. Donc qu'est-ce qu'on peut faire d'autre si on va pas uniquement s'occuper de construire le produit et le modèle? On peut faire de la data analyse. Parce qu'en réalité, je dis qu'on prend les événements d'ouverture et de fermeture de portes comme étant pertinents pour prédire les pannes. C'est pas sûr, ça se trouve c'est pas ceux qui sont pertinents. Donc il va falloir étudier tout ça, on le sait pas du tout à l'avance. Et puis, des fois, on peut avoir des choses comme on a une ouverture de porte, mais on n'a pas toujours la fermeture de porte. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas là toujours la fermeture de porte? Est-ce que c'est parce qu'on a perdu des événements? Est-ce que c'est parce que la porte s'est ouverte, a recommencé à se fermer, puis s'est réouverte? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que ça a un intérêt? Combien on a d'événements comme ça? Est-ce qu'on doit en faire cas? Est-ce qu'on doit pas en faire cas? Bref, c'est un exemple, mais c'est un exemple assez concret où on peut se retrouver à passer un petit peu de temps à faire de la data exploration et regarder un petit peu ce qui se passe. Et puis, autre élément, on pourrait passer beaucoup de temps à mettre en place une validation d'AB testing. C'est par exemple ce qui m'est arrivé. Je vais décrire un petit peu ce que c'est pour qu'on ait un peu plus l'impression de... Enfin, qu'on ait une meilleure vision de ce que ça donne. L'AB test, en fait, c'est le fait de soumettre deux éléments différents à une population pour savoir ce qui va le mieux performer. Supposons qu'on est sur une application, on a un fond bleu et un fond vert qu'on veut évaluer pour savoir lequel marche le mieux. Par exemple, dans le cas de nos vidéos, lequel va nous permettre de regarder plus de vidéos. Du coup, on va le soumettre à une population. Par exemple, 5% de nos utilisateurs, qu'on divise en 2%, 50-50%. Et s'il y en a un qui marche mieux que l'autre, ben on va se dire, ok, je prends celui qui marche le mieux. Et alors, vraie histoire, vous retrouvez parfois avec ce genre de graphe. Alors, je l'accorde, c'est moi qui l'ai dessiné. Mais c'est clairement l'impression que j'avais la première fois que j'ai lu ces graphes. C'est-à-dire, je me disais, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? Donc là, on se dit, peut-être qu'il n'y a rien à en faire. Peut-être que aucun des deux marche plus que l'autre. Mais peut-être qu'il y en a un qui marche plus que l'autre. Mais ça se voit pas parce qu'il y a une fluctuation des données qui fait qu'on a du mal à voir la différence. Et puis supposons que le fond bleu soit au-dessus du fond vert. Ok, s'il est vraiment au-dessus du fond vert, peut-être que je vais me dire qu'effectivement c'est pas dû au hasard, c'est pas dû à la fluctuation des données. Mais si c'est pas si clair que ça, peut-être que ce serait bien de valider vraiment si c'est du hasard ou pas. Et là, on va mettre en place un système de validation en posant une hypothèse nulle qui est « le fond ne change rien » et une hypothèse alternative qui est « le fond change quelque chose au comportement ». Et là, l'idée, en fait, c'est de trouver une solution pour rejeter l'hypothèse nulle, pour préférer l'hypothèse alternative. Voilà, donc vous en êtes là. Et là, il y a quelqu'un dans l'équipe qui vous dit « bah écoutez, on va utiliser la p-valeur ». Donc la p-valeur, pour faire simple, c'est une mesure qui est beaucoup utilisée dans le domaine de la science, mais aussi dans le domaine de la data. Et c'est une mesure qui permet de dire si un résultat est statistiquement significatif, c'est-à-dire s'il nous permet de rejeter l'hypothèse nulle. Donc il va nous dire si les résultats sont dus au hasard, si on peut rejeter cette hypothèse nulle et préférer l'hypothèse alternative, ou si c'est dû au hasard. Donc on va la calculer, et généralement on considère que si c'est 0,05 ou moins, on peut rejeter la première hypothèse. Le problème, c'est qu'il y a quelqu'un dans votre équipe qui va vous dire « non, moi la p-valeur,
Hors de question qu'on ne se base que là-dessus. Et effectivement, c'est vrai que c'est une donnée qui est beaucoup utilisée, enfin c'est une mesure, pardon, qui est beaucoup utilisée dans le monde de la data et de la science, mais c'est aussi une mesure qui est beaucoup critiquée. Pour des raisons que moi j'ai clairement vues, c'est-à-dire ce qu'on appelle le p-hacking. C'est-à-dire finalement, on peut se dire on attend assez longtemps pour que la p-valeur corresponde à ce qu'on veut, ou alors si je regarde tel élément, donc telle population, les jeunes entre 11 et 12 ans qui sont de tel sexe, alors en fait je me rends compte que c'est significatif. Et puis pourquoi 0,05? Bref, là, vous avez passé beaucoup de temps à vous prendre la tête, grosso modo, sur cette validation de votre A/B test, et en fait, vous n'avez pas d'Ève. Et ça ne veut pas forcément dire que vous n'avez pas apporté de plus-value, mais elle se trouvait ailleurs. Autre manière aussi d'apporter de la plus-value sans directement développer, c'est avec tout ce qui est DataVis. Donc la data vise, c'est le fait de mettre de l'information en fait en graphique. Je veux dire, enfin c'est pas forcément graphique, mais comment représenter au mieux l'information de manière visuelle. Donc là j'ai mis un exemple que j'aime bien parce que c'est un exemple sans aucun outil. La personne l'a fait au crayon, grosso modo, enfin à la main levée en tout cas, et qui montre la proximité entre deux êtres à travers le temps. Donc, par exemple, un coup d'un soir, c'est une croix, on s'est rencontré une fois et puis après, plus jamais. La relation avec un chien, ça vit moins longtemps, généralement. Ce genre de choses. Et voilà, ce que j'aime bien, c'est que là, pour moi, on est dans l'idéal de la data-vis, c'est-à-dire qu'on représente l'information la meilleure manière possible, qu'on arrive à imaginer en tout cas, avec un crayon. Ça devient plus compliqué, à mon sens, quand il faut le faire avec des outils. Parce que, en tout cas, moi, en tant que dev backend, ça m'a un peu arraché la tête de devoir travailler avec des outils qui étaient sans test, forcément, pas versionnés. J'avais des régressions, des 500 internal server errors sur des outils qui étaient propriétaires. Bref, c'est un peu déstabilisant, mais c'est aussi une manière d'apporter de la plus-value et c'est une manière, à ce moment-là, on dev pas directement. Après, en réalité, il existe d'autres formes d'outils qui permettent d'ajouter des plugins, de versionner. Ça dépend aussi ce qui est utilisé dans la boîte. Or, s'il y avait des tests manuels, j'essaie de répondre un peu au chat en même temps, qui me demande est-ce qu'il y a des tests manuels? S'il y a des tests manuels, mais le problème, c'est que comme il n'y a pas de test automatique, il n'y a pas de. Quand il y a une régression, enfin c'est du cliquodrome, quoi. Donc on clique, on drague, on drop, et ça marche pas forcément. Tu as dit tout à l'heure sans test forcément, mais je comprends pas le forcément. Oui, t'as raison. En fait, ce que je veux dire par forcément, c'est que, alors voilà, encore une fois, tous les outils ne sont pas comme ça, et il y a beaucoup d'améliorations au fur et à mesure, mais les outils sur lesquels j'ai travaillé, c'était des outils visuels où on clique, et du coup, on peut mettre des tests en place avec, par exemple, simuler ces clics-là, mais c'est beaucoup moins évident que quand on est avec du code. Pour faire simple. Ça répond à la question? Yes, merci. Pas de soucis. Et après, je dirais que moi, ça m'est arrivé de faire de la data vise, mais des fois, il y a des entreprises qui considèrent que la data vise, c'est un rôle complètement à part. Donc là, on voit un petit peu comment on peut ajouter de la valeur. Maintenant, une question, ce serait comment on peut ajouter constamment de la valeur dans ce domaine-là. Alors là, on va retrouver des débats qui sont les mêmes, hein, intégration continue, déploiement continu, test, etc. Mais on a aussi des choses particulières, et pour moi, il y a une difficulté particulière dans la data, c'est que les projets partent assez peu en production. On a demandé à l'équipe de data de Netflix ce qui était le plus frustrant pour elle, et elle a répondu, en fait, c'est de mettre en production parce que ça n'arrive pas souvent, finalement. Et c'est vrai que c'est un peu le problème qu'on retrouve. Il y a beaucoup de littérature autour de ça, beaucoup de personnes qui se questionnent sur comment emmener nos projets en prod, parce qu'on a souvent de très beaux prototypes, des papiers, des thèses, de la recherche sur des algos de data science, d'une manière générale, mais
on n'arrive pas toujours à les emmener en prod. L'une des manières d'y répondre qui est donnée par une data scientist qui travaille à Montpellier qui s'appelle Anastasia Alieba, c'est de s'inspirer de l'extreme programming avec le concept d'extreme data science. Donc l'extreme programming, c'est l'idée de se dire, grosso modo, il y a des choses qui marchent plutôt bien quand on en fait un peu. Si on en fait beaucoup, il y a des chances pour que ça marche bien. Donc par exemple, je vais rentrer dans les exemples, ce sera peut-être plus concret. Les tests, ça a l'air cool, bon ben on va tester tout le temps. La conception, c'est important, et ben on va concevoir tout au long du projet. Ce qu'elle propose en fait, c'est de revenir un petit peu aux itérations plus courtes, raccrocher avec le métier, un petit peu laisser tomber cette partie recherche, donc rappeler qu'on n'est pas là pour publier des papiers, mais pour emmener quelque chose en production, en tout cas en entreprise, et oui, vraiment se raccrocher avec le métier pour avoir des MVP plus rapidement. Ça, c'est pour la partie comment on ajoute de la valeur constamment. Donc voilà, il y a pas mal de problématiques. Il y en a certaines qui ressemblent au back-end, en tout cas à moi, ce que je connais du back-end. Et puis il y en a qui sont peut-être un peu plus spécifiques. Là où je me suis personnellement arraché les cheveux, c'est sur le fait d'avoir des logiciels bien conçus. Ce que je mets derrière, c'est tout ce qui est stratégie de test. Je vais prendre juste 2 minutes pour voir un petit peu ce qui se passe sur le chat. Alors, il y a pas mal de trolls. Peut-être une vraie question, mais bon, elle est de moi, mais bien soit. Tu dis qu'il y a des soucis dans les logiciels data, mais je m'étonne un peu. Enfin, c'est globalement récent. Alors, je sais que ça fait longtemps que tu dis, mais c'est récent que ça monte. Il faudrait que tu montes un tout petit peu mon son, je pense, dans ton OBS. Ah. Parce qu'on n'entend pas. Ah mince. Mais comme c'est une discipline qui est globalement récente, comment est-ce que tu arrives à expliquer que les pratiques de dev qui sont maintenant assez, assez communes n'aient pas été suivies? Alors, je suis désolée, j'ai pas eu le temps de faire ton son, mais alors je vais répondre, du coup je vais répéter et répondre. Alors du coup la question c'est, finalement c'est assez récent la data, et alors que le dev d'une manière générale c'est quand même un peu plus vieux, et on a tiré quelques pratiques qui semblent marcher, et du coup ben pourquoi est-ce qu'on n'en est pas là? Alors, bon, j'ai pas forcément la réponse pure et dure, je pense qu'il faudrait faire des analyses, etc. Mais je pense qu'effectivement, la thèse de se dire que c'est parce que ça vient beaucoup du domaine de la recherche, je pense que c'est l'une des réponses. Ok, et du coup, il y a Jean-Charles qui demande si tu pratiques la cross-validation pour valider tes modèles. Oui, j'avais pas prévu d'en parler. Oui, je suis restée assez vague là-dessus, mais grosso modo, quand on a un modèle, quand on définit un modèle, on peut utiliser plusieurs algorithmes pour générer ce fameux if-else ou cette formule mathématique, et il faut valider que ce qu'on fait, ça marche bien. Donc il y a plusieurs manières de le faire, et la manière la plus classique, c'est d'avoir des données de train et des données de test, et de se dire j'apprends sur certaines données, des données d'entraînement, et de vérifier si ça marche toujours sur des données de test. Voilà. Pour faire assez simple. Et du coup j'ai vu aussi dire ce qu'est un MVP pour les ignorants sur le chat. Donc effectivement c'est le fait d'avoir un produit qui soit viable un minimum. Et surtout ce que j'ai envie de dire là derrière en fait, c'est de pas partir sur le meilleur algo, parce que finalement le meilleur modèle, même s'il est à 99,9% de réussite, s'il part jamais en prod, il sert à personne. Pour faire simple. Voilà. Du coup, avec les logiciels, l'idée d'avoir des logiciels bien conçus pour avoir des logiciels opérationnels, donc là, c'est là où je me suis pas mal arraché la tête. Du coup,
Ce que je mets derrière, c'est tout ce qui est stratégie de test et smell, grosso modo. Là, j'ai plutôt enchaîné les surprises et j'ai appris à composer avec. Alors, première. Oups. Je me permets, il y a une petite question de Pietreza qui nous Oui. parle de Green Data Science, Green IT, qui demande, existe-t-il une approche écologique dans la Data Science, Green IT en deux? Alors, on en parle forcément. Enfin, moi personnellement, j'ai pas eu des approches directement dessus. Je me suis un peu penchée sur la question. Déjà, en fait, enfin, il y a plusieurs choses à voir. Il y a le fait que, ok, charger, faire entraîner un modèle pendant 10 jours, bah forcément, ça consomme de l'énergie. Donc, ben, plus on en consomme et moins on est. Pardon. Alors, je reprends. Je suis désolée. La question était, existe-t-il une approche écologique dans la data science, le green IT? Alors du coup, pour faire simple, il y a plusieurs approches. Des personnes qui vont se regarder tout ce qui est computing. Donc, si mon algo il apprend pendant 10 jours, ça va consommer de l'énergie. Donc ben oui, effectivement, c'est lourd. Est-ce qu'il n'y a pas des manières d'avoir des algos qui soient moins lourds? Le problème, à mon sens, qui est peut-être plus compliqué, c'est que finalement, les problèmes écologiques du numérique ne viennent pas forcément de l'énergie qu'on consomme, que nos équipements consomment au fur et à mesure de leur vie, mais l'énergie qu'ils ont pris au moment où on a créé ces équipements. Et donc du coup, bah oui, concrètement, quand on a 19 machines au lieu d'une pour. Enfin voilà, ça veut dire qu'on utilise plus d'équipements et qu'on va être moins vert. Alors après, je pense que les questions sont un peu les mêmes que dans le reste du Green IT, c'est-à-dire est-ce que j'en ai vraiment besoin de cet algo? Est-ce que je peux pas faire autrement, etc. Après, je suis pas sûre que les gens, on en parle beaucoup, mais je suis pas sûre qu'il y ait vraiment beaucoup de mesures qui soient prises aujourd'hui. Ok, alors apparemment on nous entend pas du tout, donc je pense qu'il faut que je Ouais. répète à chaque fois. Il y a Gauthier qui demande quels sont les outils, s'ils existent, permettant de juger la pertinence de son modèle avant de le lancer. Ok, alors quels sont les outils, s'ils existent, permettant de juger de la pertinence de son modèle avant de le lancer? Alors, ces outils-là, il va y en avoir à deux niveaux, c'est-à-dire un, est-ce que effectivement mon modèle, il est réellement capable de prédire quelque chose. Et dans ce cas-là, bon, bah, je vais y revenir, mais il y a différentes manières de mesurer ça. Il y a différentes manières de mettre en place ces mesures. Voilà, la cross-validation, c'en est un. Voilà, je pense que je vais y revenir. Et si j'y reviens pas, il faudra me le redire. La deuxième solution quand même pour juger la pertinence d'un modèle, c'est que, ok, s'il prédit, c'est bien, mais encore une fois, tant qu'il n'est pas en prod, un, ça marche pas. Et deux, bah, quel est réellement son apport en prod? Et là, c'est un peu pareil, c'est des AB tests en fait. Est-ce que ça a réellement changé quelque chose? Ou bon, bah, ok, peut-être que mon modèle, par exemple, il prédit plus de panne, mais peut-être que les techniciens, ils s'en fichent et ils vont pas aller plus sur place, par exemple. Voilà, donc si j'ai pas répondu vraiment à la pertinence de son modèle, j'ai prévu de l'inclure, mais peut-être pas dans tous les détails qui étaient prévus, enfin, qui vous intéressent, donc n'hésitez pas à revenir dessus. Du coup, j'ai enchaîné quelques surprises et j'ai appris à composer avec. La première, c'était tester en prod. Alors ce que j'entends par tester en prod, c'était le fait que nos inputs étaient ceux de la prod, de vraies données, et qu'on était sur la machine de prod. Moi, j'avais pas du tout l'habitude de ça. Et puis, objectivement, ça nous est arrivé d'avoir des cafouillages. Et j'avais beaucoup de mal avec l'idée. Donc, j'en ai parlé à beaucoup de gens. J'en ai beaucoup parlé sur la toile et je pense que pas mal de gens savent qu'il y a quelqu'un à Lyon qui se demande comment tester en prod. Bon, supposons qu'on n'ait pas de problème RGPD. Je reviendrai dessus après parce qu'il y a quelqu'un qui me demande dans le chat et la RGPD dans tout ça. Mais grosso modo, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est finalement pourquoi on teste en prod et pourquoi ça peut être important de tester en prod. Premier élément,
c'est que on n'est pas sur une machine la plupart du temps. On a beaucoup d'éléments, beaucoup de volumétrie, et donc ça veut dire qu'on va travailler souvent en processing distribué. Ça veut dire qu'on va souvent travailler en processing distribué, donc sur plusieurs machines. Donc du coup, ce que me disaient par exemple les personnes qui disaient « mais on ne peut pas sortir de la prod », je n'ai pas les moyens, tout simplement, d'avoir le même environnement de prod dupliqué. Voilà, première raison. Même si le cloud, par exemple, c'est quelque chose qui peut régler ce genre de problème. Autre problème, pourquoi cette tentation de tester en prod, c'est la volumétrie, justement. Parce qu'un algo peut très bien, bien marcher sur peu de volumétrie et devenir complètement catastrophique avec beaucoup de volumétrie. Ça me permet de venir à la question Big Data or not Big Data, chose petit buzzword dont on a beaucoup entendu parler. Or qu'aujourd'hui, finalement, il y a pas mal de projets de data qui marchent avec de la moyenne donnée. En fait, la donnée, c'est ce qui sert comme nourriture aux algos. Donc, plus il y en a, et généralement, ben, plus ça marche, et plus on arrive à des résultats pertinents. C'est aujourd'hui, on arrive à trouver des solutions pour ne pas toujours avoir besoin d'autant de données. Et généralement, les puristes vont dire, en plus de ça, que la big data, c'est des téraoctets de données, des pétaoctets de données, pardon. Donc voilà, bon, bah moi je connais pas grand monde qui a travaillé là-dessus, et moi dans ce cas-là je n'ai jamais fait de big data puisque je suis habituée plutôt au téraoctet. Donc il peut y avoir ce côté, j'ai de la forte volumétrie, je fais du processing distribué, donc il faut que j'ai un environnement qui me permette d'avoir ces deux éléments-là. Et le deuxième élément, c'est que ben, la donnée détient la vérité. C'est-à-dire que si j'ai juste un échantillon de données et que je teste avec ça, il y a de fortes chances pour que je me plante. Puisque je construis mon algo par rapport à elle, il faut que j'aie la vérité sous la main. Donc après, pour répondre à la question RGPD, je n'ai pas forcément besoin des données sensibles, quoi. Donc, bien sûr qu'il y a de la RGPD dans tout ça, mais en tout cas, il y a ce besoin d'avoir une vraie donnée qui marche vraiment, et de pas générer de la donnée qu'on imaginerait, parce que pour sûr, enfin en tout cas pour l'avoir vu plein de fois, le fait de prendre un petit peu de données ou alors d'imaginer de la donnée, de la générer, arriver en réelle production, on se plante. C'est un peu dommage. Deuxième surprise, il a fallu que je révise un petit peu ma manière de tester, qui était sans doute peut-être un peu dogmatique, dans le sens où bah j'avais l'habitude de tester sans mon framework, absolument sans mon framework. Et j'étais plutôt contente, hein, je testais mes fonctions toutes nues, j'ai envie de dire. Et là, ce qui m'est arrivé, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que je ne manipulais pas des listes, je ne manipulais pas des objets, peu importe le langage, Java, Scala, Python, mais des objets du framework. Tout simplement, parce qu'en fait, une liste, ça ne m'intéresse pas en soi, parce que bah c'est pas distribué par défaut. Moi, ce qu'il me faut, c'est des listes distribuées. C'est avec ça que j'ai besoin de travailler. Donc, en fait, je me retrouve fortement collée à mon framework. Et là, moi, personnellement, ça m'embête. J'ai envie de me décoller de ce framework dans mes tests. J'ai envie de tester mes fonctions toutes nues, comme j'avais l'habitude de le faire. Alors j'exagère un peu parce que il y a certaines fonctions qui sont testables toutes seules, mais il y a beaucoup de choses qui sont difficilement testables sans le framework. Or là, j'avoue que je pense à Spark, qui est le framework que j'ai le plus souvent utilisé, mais c'est aussi vrai pour d'autres frameworks, comme par exemple un qui est vachement connu comme TensorFlow, où on va manipuler non pas des listes mais des tensors, et du coup on est assez collé à un framework. Pareil, là j'en ai discuté sur la toile, j'en ai discuté avec tout le monde, puis j'ai regardé déjà ce que disaient les personnes qui ont créé Spark, et les personnes qui ont créé Spark disent très clairement, on a créé un mode distribué pour distribuer, et puis on a créé un mode local pour en partie faire des tests.
Donc, voilà, on va embarquer le framework dans nos tests. Ça ne veut pas dire qu'on veut tester si le framework marche bien, c'est pas le but, mais on veut tester qu'on l'utilise correctement et qu'en tout cas, on parvient à nos fins en utilisant le framework. Donc là, on accepte d'embarquer ce framework et de tester avec. Et puis, assez rapidement, on a des problèmes de performance. Parce que c'est quelque chose d'assez connu, alors je ne sais pas pour les autres librairies, mais en tout cas avec Spark, c'est que Spark marche très bien en calcul distribué. Par contre, en mode local, bon, bah, c'est pas son mode par défaut, donc les tests vont être longs. Donc bon, il y a des manières de rendre ces tests moins longs, mais surtout, il va falloir monitorer ces tests. Bien faire attention à ce qu'il n'évolue pas trop et puis utiliser des ruses, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que, par exemple, Spark, il n'est pas fait pour tester une donnée par une donnée. Lui, ce qu'il préfère, c'est qu'on lui donne 10 000 données. Bon, c'est pas ce qu'on va faire dans un test, c'est un peu lourd, mais 20 données et il va nous sortir un résultat pour ces 20 données. Et ça marche beaucoup mieux que de lui envoyer à chaque fois une donnée. Ok, donc dans mon test, je fais ça. Une donnée, ok, je fais ça. Bon, ça, pour sûr, ça va être explosif. Donc voilà, c'est des éléments où on apprend à composer, on apprend à essayer de voir les choses différemment, à quand même découper ses tests en sortie, même si l'entrée est un peu plus volumineuse. On fait sans doute plus de tests au niveau que ce qu'on avait l'habitude de faire du coup. Mais on arrive quand même à ses fins. En tout cas, moi j'ai l'impression d'être arrivé dans une certaine zone de confort aujourd'hui. Une autre surprise qu'on peut avoir aussi, c'est que des fois, c'est quelque chose dont je n'ai pas encore forcément parlé, mais on peut se retrouver à quasiment ne traiter que de l'I/O. C'est-à-dire que ce schéma, j'ai de la data en entrée, j'ai de la data en sortie, j'ai de la transformation, des fois la transformation, elle est quasiment inexistante. Si elle est quasiment inexistante, ça veut dire que c'est des tests qu'on dit plutôt unitaires, en tout cas bas niveau, ça sert à rien. Donc il va falloir avoir des tests plus macro et puis accepter de tester de l'I/O si ça nous donne en tout cas une sûreté dans nos devs au quotidien. Donc pas mal de choses au niveau des tests qui un petit peu chiffonné et maintenant j'ai réussi à trouver à peu près ma zone de confort. Puis j'ai vu de nouveaux smells, ou en tout cas des smells qui m'ont plus sauté aux yeux dans le domaine de la data. Le concept de smell, c'est un concept qui vient de Martin Fowler et Ken Beck, et c'est l'idée en fait de pouvoir donner, pouvoir décrire et donner des solutions à des éléments de code qui nous apporteraient des problèmes par la suite, c'est-à-dire des problèmes de maintenance, c'est des endroits qui sont difficiles à débugger, c'est des endroits qui sont faciles à bugger, etc. Et du coup, avec ces smells, donc il en existe dans le domaine de la data, et en tout cas, il y a un papier qui en parle, qui est le Hidden Technical Debt in Machine Learning Systems. Et ce papier, alors je vais en parler un peu plus, mais grosso modo, c'est un papier que vous verrez souvent cité en réalité, même si la source n'est pas toujours donnée. Il y a une capture d'écran que je donne après, qui est souvent affichée. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est un papier qui a pas mal fait parler de lui et qui dresse un petit peu ses smells. Et en tout cas, c'est des smells qui m'ont plus sauté aux yeux, comme je disais, dans le domaine de la data. Le premier, c'est le fait d'avoir des consommateurs de nos données qui seraient non déclarés. Donc par exemple, il se trouvait que j'envoyais un rapport, enfin j'envoyais, moi et mon équipe, on envoyait un rapport une fois par semaine, et dans ce rapport, on précisait le numéro de la semaine, et puis le premier jour de cette semaine. Il se trouve que la première semaine 2019 commençait en 2018, le 31 décembre 2018. Et du coup, dans la boîte, j'entends que y a des personnes qui ont envoyé aux clients le fait qu'on était la première semaine 2018. Et moi, je me suis pas sentie concernée. Je me suis pas dit que ça pouvait avoir un quelconque
rapport avec la donnée qu'on avait transformée, pour la simple et bonne raison qu'on ne savait pas que cette donnée était utilisée par ces personnes-là et qu'on l'envoyait à des clients. Et qu'en plus, elle l'utilisait d'une manière à laquelle on ne s'attendait pas, puisqu'en fait, elle prenait l'année et elle prenait le numéro de la semaine, ce qui donnait première semaine 2018, ce qui n'était pas du tout ce qui était attendu. Donc là, finalement, cet élément-là, comment on le peut solutionner? Finalement, c'est de l'organisation, j'ai envie de dire. Et du coup, ça va être la data governance qui va se mettre au sein d'une entreprise, savoir qui utilise quelles données. Je me permets de te transmettre une question de Nolwenn qui demande si les tests concernent, enfin, qui demande quelles étapes sont concernées par les tests, nettoyage, vérification, okay. Autres. Toutes les étapes sont concernées par les tests. Alors, du coup, je vais répéter. La question, c'est quelles étapes sont concernées par les tests? Et la réponse est toutes les étapes. Ouais, je sais pas si ça suffit, mais grosso modo, on va en avoir dans le traitement, dans le nettoyage. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a exploré notre donnée, qu'on se dit, ok, on la nettoie comme ça, etc., on peut tout à fait poser des tests pour être sûr qu'on nettoie toujours la donnée de cette manière-là. Par exemple, et ça peut être au moment où on fait notre modèle, au moment où on le valide, etc. Un autre smell qu'on voit aussi, c'est les données en dépendance sous-utilisées. Alors ça, je pense que ça existe aussi en vérité dans le back-end, c'est pareil, ça m'a plus sauté aux yeux. Donc les dépendances de données, d'une manière générale, c'est un peu lourd, j'ai envie de dire, dans le domaine de la data. C'est-à-dire que voilà, vous allez collecter de la donnée, et vous allez espérer, tous les jours, vous collectez par exemple de la donnée, toutes les heures, peu importe le rythme, vous allez espérer que tout va bien se passer. En réalité, ça va pas bien se passer. Vous allez avoir des éléments qui vont tomber, il y a des jours où vous recevrez pas la donnée, et du coup, il faut prendre des décisions. Si vous recevez pas la donnée, est-ce que, si par exemple le modèle apprend tous les jours, je sais pas, est-ce que c'est pertinent de continuer à apprendre? Si vous faites des statistiques là-dessus, est-ce que c'est pertinent de faire des statistiques, de quand même envoyer quelque chose aux utilisateurs en se basant sur la veille? Est-ce qu'on arrête complètement le processus? Est-ce qu'on saute un jour? Est-ce qu'on débug absolument pour avoir le résultat maintenant et pas demain? Bref, ça veut dire qu'il faut prendre des décisions quand on a des dépendances et avoir un système de fallback. Mais du coup, si on a des dépendances qui sont sous-utilisées, ça veut dire qu'on va maintenir des liens avec peu de plus-value. Donc là, une solution, ça pourrait être de monitorer les impacts qu'ont chacun des éléments qu'on met en prod et de connaître la dépendance qui est liée pour savoir si effectivement ça vaut le coup, le temps qu'on passe dedans, de continuer à avoir cet élément en prod. Autre élément, le prototype. Donc là, j'en ai un petit peu parlé, ou en tout cas, je l'ai peut-être sous-entendu. En fait, comme beaucoup de data science commence par de la recherche, par toute cette grosse phase de recherche, ça veut dire qu'on a essentiellement des prototypes pour commencer. Et du coup, ça veut dire que souvent, on a des choses qui sont pas versionnées, on n'a pas de tests. Donc il peut y avoir des régressions assez facilement. Ça veut dire que le code, on n'en a rien à faire grosso modo qu'il soit compris par d'autres, puisque c'est du POC, voilà, c'est du prototype. Et au fond, je donne l'impression de critiquer, mais à la limite, pourquoi pas pour une phase exploratoire. Le problème, c'est qu'après, il faut le mettre en prod. Et du coup, s'il faut le mettre en prod, c'est parfois un peu compliqué de mettre cet élément-là en prod. Je reviendrai justement là-dessus. Mais voilà, c'est l'un des gros éléments, en tout cas, qui fait que ça peut être difficile de réellement avoir un impact au-delà de la recherche qu'on a fait sur notre modèle. Ce qu'il y a d'intéressant dans le papier, ce que le papier nous dit aussi, c'est que, ok, le machine learning, toutes les côtés hype de la data science, c'est cool, mais en fait, si on veut que ça marche, il faut que tout le reste marche. Et finalement, la partie dont tout le monde parle, la première, qui est un peu hype, qui serait le machine learning et ces éléments-là, finalement, c'est assez petit par rapport à tout ce qui se met autour.
et qui peut créer, où il peut y avoir de la dette, où il peut y avoir des bugs, et il faut que le reste puisse marcher autour, pour que finalement, la plus-value que peut apporter notre modèle, eh ben, elle marche. C'est l'un des propos du papier qu'on retrouve aussi dans un article qui présente la pyramide des besoins en data science et qui dit grosso modo ok, c'est cool de vouloir un super algo de deep learning, de l'IA qui fasse qui super bien, mais il faut qu'on puisse avoir une infrastructure sur laquelle se baser, de la donnée dans laquelle on a confiance, sur laquelle on peut se reposer, enfin tout un tas d'éléments. Voilà, c'est l'idée vraiment de cette pyramide de monter pour arriver à un but. Tu veux essayer de me parler, Colin? Je ne sais pas. Okay. Pietreva qui demande est-ce qu'on peut envisager du sabotage de données, des concurrents qui trafiquent des données sur lesquelles on travaille, pour prendre des décisions dans un but concurrentiel. Alors la question, je vais la relire du coup, merci Colin, c'est est-ce qu'on peut envisager du sabotage de données, des concurrents qui trafiquent les données sur lesquelles on travaille afin de faire prendre de mauvaises décisions dans un but concurrentiel? Alors, à chaud comme ça, je vois pas. Donc je préfère pas dire de bêtises et dire que je sais pas. Voilà, désolé, c'était un peu frustrant, mais je préfère ne rien dire que dire de bêtises. Du coup, dans cet article de la pyramide des besoins, ce que je trouve personnellement intéressant, c'est qu'on pourrait avoir l'impression qu'il faut construire toute une phase d'infrastructure, puis toute une phase de collecte des données, apprendre à les explorer, etc., afin d'arriver enfin à notre but métier. Et l'article met bien en garde sur le fait que ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est d'y aller toujours de manière itératif, mais de se dire que pour répondre à un besoin métier, j'ai besoin d'un minimum d'infrastructure. Donc je vais mettre en place une infrastructure de la collecte de données dans le but de ce métier, mais je le fais pas, je fais pas juste en mode prototype qui se base sur rien. Il faut qu'il y ait quelque chose de solide qui l'entoure pour que ça marche. Du coup, moi, je t'avoue que je suis assez fan de cet article et de cette pyramide des besoins, parce qu'elle permet vraiment pour moi d'avoir un peu les deux, c'est-à-dire de réconcilier les deux, de dire ben non, la tentation d'aller tout de suite au métier sans se baser sur rien, ça marchera pas. Et le fait de se dire on va avoir une infrastructure de malade, par exemple construire un data lake, donc un entrepôt de données qui va répondre à tous nos besoins, mais on met un an pour le faire et après on commencera à avoir du métier dessus. Ben honnêtement, vous avez un data lake qui a été construit pour personne et tout le monde en même temps. Il est over-engineeré et il marche pas forcément mieux. Du coup, je vais lire un petit peu le chat, juste parce que je vois qu'il y a eu des réponses. Voilà, Florent qui disait le chatbot de Microsoft comme exemple. Ah oui, le fait que par exemple, on lui ait fait dire des choses racistes, c'était ça, ce genre de choses. Effectivement, et que la donnée avait été pervertie. C'est vrai, donc on peut pervertir la donnée, effectivement, de cette manière-là. Je vais redéfinir Data Lake. Donc, Data Lake, en fait, ce serait un entrepôt de données. Donc, c'est là où on va mettre tout un ensemble de données, en fait, et sur lesquelles on va pouvoir commencer à travailler. Donc, ça a l'air de rien, mais ça peut être aussi... par exemple, le projet auquel je pense, c'est comment je collecte de la donnée, sur quelle infrastructure, comment je la monitor, etc. Ça peut être ce genre de choses. Pas jusque-là un projet de data lake. Il y avait une question qui était entre la volumétrie, les systèmes distribués multiprocess, les failures potentielles et toutes les autres problématiques que tu évoques, ça peut faire penser un peu à un pattern actor où vous avez ce genre d'infra. Je connais pas forcément beaucoup les parties infra. Donc là, c'est pareil, je préfère pas trop dire de bêtises. Désolé encore une fois pour la frustration. Donc là, finalement, on arrive à des logiciels qui essayent en tout cas de s'appuyer sur des éléments un peu plus solides avec des tests, du monitoring, de l'infrastructure qui tient, une attention aux semelles, etc.
Et là, j'en arrive à une autre partie du manifeste qui est la collaboration avec les clients, avec des partenariats productifs. Donc, on voit qu'il y a des relations au métier un peu comme de partout ailleurs dans le monde du dev. Moi, ce qui m'intéresse, c'est forcément de parler un petit peu plus de ce qui est spécifique. Du coup, je vais en venir au premier point, qui est que finalement, assez classiquement, si je grossis le trait, ou en tout cas, moi, ce que je connaissais dans le back-end, comment ça marchait, on avait des données, un programme qu'on construisait, et on a arrivé à un résultat. Or, ce que je vais dire, là, je vais tout de suite citer ma source, pardon, ça vient de Pierre Delors et de son livre Big Data, que sais-je, qui explique qu'en fait, avec la data, il y a un renversement. Tu vois, voilà, donc plus classiquement, on applique un algo à des données et on obtient un résultat. Alors que dans le domaine de la data, eh ben, on a des données, un résultat, et on construit le programme avec. Donc du coup, ça change un peu les choses. Donc construire ce programme, ça veut dire bah voilà, les parties clean, les parties j'extrais des caractéristiques, etc. C'est des choses qui sont pas sues d'avance. Ça veut dire qu'on va itérer dessus, ça veut dire qu'on va les découvrir au fur et à mesure, donc il y a pas mal d'incertitudes. Et moi je sais que c'était difficile pour moi de comprendre ça au début. Et du coup, ça veut dire que bah, il faut. J'ai été accompagnée en tout cas là-dessus. Et l'idée, à mon sens, c'est d'accompagner tout le monde vers cette démarche qui n'est pas forcément évidente. Et avec la collaboration avec le client, de se dire bah oui, ok, on veut arriver à un résultat, mais hein, bah on n'y arrivera peut-être pas. Ça va dépendre de ce qu'il y a dans les données, de la corrélation qu'on peut établir entre les deux. Et il y aura pas mal d'incertitudes. Il suffira pas juste de dire. Enfin, grosso modo, je grossis le trait de construire une spec et puis de se dire, bon, ça a marché comme ça. Même si on sait qu'en réalité, ça marche rarement comme ça. En tout cas, là, il y a vraiment beaucoup d'incertitudes. Et ce programme va se construire au fur et à mesure. De plus, il y a une partie du programme qu'on ne construira jamais nous-mêmes si on fait du machine learning. Voilà, ça veut dire qu'on va prendre nos données, on va avoir notre algorithme, donc voilà, je vous disais, ou des réseaux de neurones ou autre chose, et on va construire cette fonction. Et donc cette fonction, qui est une partie du programme, est générée, et on ne va jamais la coder nous-mêmes. Donc voilà, donc il y a pas mal d'incertitudes dans un projet de data qui peuvent parfois être un peu perturbants et sur lesquelles il faut apprendre à composer avec dans cette collaboration. Une autre partie intéressante à mon sens, cette collaboration avec le client, c'est que oui, comme partout ailleurs, il faut comprendre son métier, il faut comprendre le résultat qu'on essaye d'obtenir, sinon forcément ça marche pas. Mais il faut aussi avoir un petit peu une connaissance, ou en tout cas accepter de rentrer dans un petit peu de maths et de statistiques. Se comprendre, quand j'ai fait de la B-test, il a fallu que je comprenne c'est quoi une validation scientifique, et finalement on fait pas forcément un A-B-test comme ça, il y a peut-être plus à prendre en compte, qu'est-ce que ça veut dire. Parfois je me suis retrouvée face à ce genre de formule, hein, donc c'est vraiment une formule avec laquelle j'ai travaillé. Il faut comprendre là où elle veut en venir, et il faut avoir un petit peu ces notions mathématiques et statistiques. Et puis aussi le fait que la data peut nous biaiser. Donc là, il y avait effectivement le cas de Twitter, où effectivement certaines personnes s'étaient amusées à tweeter plein de choses pour que Microsoft apprenne de mauvaises choses sur la donnée. Mais des fois, c'est juste parce que la donnée est biaisée, ou alors parce qu'on choisit pas la bonne mesure. Et c'est là où je vais venir un petit peu à cette histoire de validation de modèle. Supposons un cas. Le cas de nos pannes, toujours. On a 110 cas. On a 10 cas qui sont des pannes et 100 cas qui ne sont pas des pannes. Et nous, ce qu'on cherche à prédire, c'est des pannes. Le résultat, au final, c'est que sur nos pannes, donc on en a 10, on a réussi à en prédire 2. Il y a 8 qu'on n'a pas réussi à prédire. Et sur les éléments qui ne sont pas des pannes, 98 fois sur 100, on a réussi à dire qu'il n'y avait pas de panne. Donc finalement, quand on regarde au global, on a réussi, donc c'est en gras, les choses qui ont marché, c'est les choses qui sont en gras, qui ont réellement réussi à prédire ce qui est.
Donc dans un cas, j'ai réussi à prédire 98 fois que j'aurais pas de panne, et c'est vrai, j'ai pas eu de panne. Et j'ai réussi à prédire 2 fois que j'avais des pannes, et c'est vrai, j'ai eu des pannes. Donc ça me fait un total de 100 cas que j'ai bien prédit sur 110. Donc là, ça c'est une mesure pour valider un modèle, et on peut se dire super, on a validé notre modèle à 98%, ce qui est pas mal. On pourrait mettre notre algo en production. Sauf qu'en fait, c'est pas tout à fait ce qu'on cherche à faire, et peut-être que cet algo ne va pas nous servir. Ce qu'on veut faire, en fait, c'est combien, en fait, ce qui nous intéresse, c'est combien de pannes ont été prédites. Et là, on va finalement décider que notre modèle, on va l'estimer correct, mais sur une autre mesure qui, on va le voir, n'est pas si pertinente que ça, finalement. C'est-à-dire, donc, pour rappel, si on prend la mesure globale de ce qui a été prédit, super, on est à 90%. Par contre, si on s'intéresse qu'aux pannes, on se rend compte que seulement 2 pannes sur 10 ont réussi à être prédites. Donc, on est à 20%. C'est pas terrible. En fonction de la mesure qu'on prend, c'est pas terrible. Et il pourrait y avoir des cas où 90%, c'est la mesure qu'on veut. Ce qui nous intéresse, c'est les pannes et les non-pannes. Et 90%, c'est pas mal, on y va. Mais il y a des chances pour que ce soit plus prédire des pannes. Donc, finalement, si c'est prédire des pannes, 2 fois sur 10, enfin, 2, oui, 2 fois sur 10, c'est pas terrible. Donc, il peut y avoir ce genre d'éléments qui sont à prendre en compte au-delà de la compréhension métier. Et puis, quelque chose là de complètement différent, vous pouvez aussi ne pas du tout avoir affaire à du métier ou quasiment pas. Et on en parle bien assez souvent, quand on n'a pas de métier, il faut l'accepter. Et puis, ça veut dire ne pas en faire beaucoup cas. Et puis, voilà, quoi, accepter qu'on traite de l'IO et que tous ces éléments-là ne marchent pas forcément. Donc là, on voit la collaboration avec le client. Ce qui en vient, ce qui me fait venir à parler d'une communauté de professionnels au-delà des individus et des interactions. Et alors, honnêtement, personnellement, quand j'ai commencé, le monde de la data, ça ressemblait un peu à ça, de mon point de vue. C'est-à-dire que c'était une joyeuse guerre entre différents corps de métier. Donc là, je vais un petit peu expliquer, du coup. Il y avait les data scientists d'un côté. Donc, data scientist, on considère que c'est quelqu'un qui va plus faire de maths et des statistiques, donc qui est plus sur le modèle en soi. Il va y avoir le data ingénieur. Data ingénieur, donc c'est plus quelqu'un avec un background de code, classiquement. Et qui va mettre en place tout un tas d'éléments. Ça peut être de la collecte de données. Il est aussi capable de nettoyer les données, ce genre de choses. Voilà. On a aussi l'ingénieur machine learning. Donc l'ingénieur machine learning, c'est un peu la personne qui ferait le lien entre la data science et la data ingénierie. Donc il y aurait un petit peu des compétences entre les deux domaines pour arriver en prod. Donc là, je vais nuancer tout ce que je viens de dire. Un, parce que on le sait, c'est rarement aussi clair que ça. D'abord, il existe plein d'autres rôles dont on entend parfois parler. Je cite data architecte, personne qui s'occuperait du datavise. Et puis les rôles ne sont pas aussi tranchés. Des fois, on a des data scientists qui finalement font des boulots qui ressemblent beaucoup à de la data ingénierie, pareil. Des fois, il y a des équipes qui n'ont que des data ingénieurs, des fois que des data scientists, etc. Voilà, donc il peut y avoir plein d'éléments. Et puis il y a quelqu'un qui disait que c'était un peu agressif comme milieu. Alors je nuance en disant c'était ma vision des choses au début. Je pense qu'il y a encore pas mal de choses qui ont du mal à tourner pour cette fameuse mise en prod, mais malgré tout, je pense que ça va mieux. J'ai envie de dire, en tout cas de mon expérience personnelle, ça va mieux. Et je vais prendre 2 minutes pour répondre à la question, est-ce que je suis rentrée de mon plein gré dans ce domaine? Alors la réponse est oui, mais je ne savais pas à quoi m'attendre en réalité. Je me rends compte que j'avais absolument pas conscience de tout ça, et que les premiers temps, j'étais un peu... enfin, je dis ça, mais c'est le cas pour beaucoup de choses, hein. J'avais pas l'habitude, et du coup, j'étais un peu... oui. Pas dans mes baskets, quoi, mais j'avais des personnes autour de moi qui m'ont mis dans mes baskets et ça s'est finalement bien passé, je dirais.
J'ai parlé plusieurs fois de cette fameuse mise en prod. Ça va me faire venir à cette collaboration entre les personnes qui sont plus orientées maths et les personnes qui vont être plus orientées code. Il y a plusieurs manières d'emmener cette data science en prod. Il peut y avoir une reprise totale. Donc vous avez une personne qui a entièrement codé un langage, qui a entièrement codé, pardon, l'algo, que ce soit des statistiques descriptives, un algo de machine learning, peu importe, il a codé dans un truc qui ressemblerait à du prototype plus ou moins. Et puis, il y a une autre personne qui va complètement reprendre ce code, le réécrire et le passer en prod. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Déjà, il y a des raisons qui sont, bon, ben, c'est pas très agréable d'avoir du code qui souvent est pas testé, pas versionné, difficile à débugger parce qu'il n'a pas forcément été pensé pour ça. Ouais, donc ça peut être des raisons. Les raisons aussi, j'ai envie de dire plus techniques, c'est que bah, parfois le code est juste pas prêt pour travailler sur de la grosse volumétrie pour tourner tous les jours. Par exemple, le cas que j'aime bien prendre, c'est un algo qui mettait 7 jours à apprendre sur une machine et qui, en mode distribué, mettait 10 minutes. Bah ouais, donc du coup, on se dit, c'est plutôt cool, mais il faut le passer en mode distribué. Donc là, ça passe par une totale reprise. Enfin, ça peut passer par une totale reprise. Alors, je dis clairement, c'est pas la manière que j'aime de travailler. Je trouve que c'est dommage de réécrire 2 fois la même chose. Une autre solution, ça peut être d'intégrer le modèle en mode boîte noire. Donc ça veut dire que tout ce qui est nettoyage de données, tout ce qui serait un peu autour, validation du modèle, expliquer le modèle serait autour, serait du code dont on a la main, j'ai envie de dire, où on l'a versionné, testé, on l'a écrit dans un langage qui scale, enfin, ou un framework qui nous permet en tout cas de passer sur de la grosse volumétrie. Et le modèle, par contre, le modèle lui-même, il est tout seul dans son coin, et il a été fait en mode prototype, et c'est une boîte noire qu'on n'ouvre pas. Et on l'intègre tel quel depuis l'extérieur. Or, ce que je me dis de sympa là-dedans, c'est qu'au moins tout n'est pas en mode reprise. Mais ce que j'aime pas complètement, c'est que je trouve ça dommage d'avoir une boîte noire. D'abord, il peut s'y cacher des bugs comme partout ailleurs. Ça veut dire qu'on a moins la main pour y mettre du monitoring et savoir ce qui peut s'y passer. Et puis ouais, je trouve ça un peu dommage de pas jouer la carte de la transparence finalement sur ces modèles-là. Un autre élément qui est bon, celui que je préfère, je le dis tout de suite, c'est le pair programming. C'est le fait de se dire, bah ok. On va mettre des personnes qui ont des compétences code classique avec des personnes qui ont des compétences maths, stats ensemble et on va développer ensemble. On n'est pas obligé de faire du pair programming absolument toute la journée ensemble, mais on va au moins collaborer ensemble pour amener le modèle ensemble ou l'algo de data science, peu importe quelle forme c'est, en production et dans un état qu'on estime tous les deux convenable. Parce que nous, ce qu'on peut se dire, enfin, moi en tout cas, en tant qu'ex-dev back-end, je me dis, bon, si le code c'est n'importe quoi, moi j'ai pas envie de passer du temps à le débugger après une fois qu'il sera en prod. Et la personne qui est plus orientée maths stats va se dire, non, mais en fait, si on écrit du code juste pour qu'il soit beau, mais qu'en fait il répond à aucun besoin qui soit pas pertinent, derrière ça me sert à rien. Voilà, donc ça peut être une forme de collaboration comme ça. Alors c'est vrai que c'est la manière que je préfère de travailler, mais je vais mettre un bémol dans le sens où moi ce qu'on m'a aussi parfois répondu c'est mais je sais pas si mon modèle il va aller en prod. Je suis en phase d'exploration et du coup ben peut-être que il n'arrivera jamais en prod et on va passer beaucoup de temps à collaborer ensemble, à le rendre correct, alors qu'en fait, ben, finalement, au bout de quelques temps, on va se rendre compte qu'on veut juste le jeter. Voilà. Donc, parfois un peu difficile de trouver un juste milieu et de savoir ben, ce qui va réellement se passer. Il y a 438-27 qui me demande s'il y a des volontaires pour écrire un code proprement.
Alors, la question du coup, c'est est-ce qu'il y a des volontaires pour réécrire un code, un POC proprement? Oui, moi je dirais que je l'ai été, si c'est ça la question. Ouais, le truc c'est que bon, on le fait la première fois, on se dit ok, et puis après on se dit bon, finalement, est-ce qu'on peut pas faire mieux? Et puis un problème que j'ai pas souligné, mais moi que j'ai vraiment eu, c'est que ça m'est arrivé une fois de me dire bah, enfin qu'on me dise bon bah tu vas réécrire ce code. Ok. Très bien, je commence à prendre l'habitude d'avoir ce jeu-là. Et là, le problème, c'est que ben, le code en face, il continue à évoluer. Ben, c'est un peu la course. Et ben, je vous le dis très clairement, ce code n'est pas en prod, par exemple. Voilà. Voilà, donc peut-être qu'il le sera un jour, mais en tout cas, ça a été assez difficile. Du coup, pour conclure, je dirais que j'ai personnellement été heurtée en regard du manifeste Kraft quand je suis rentrée dans le monde de la data, et que finalement le Kraft c'est quelque chose dont on parle dans le monde de la data, aussi parce que bah, on a peut-être moins effectivement d'habitude de dev, on s'est peut-être pas encore posé des questions que ça fait longtemps qu'on se pose dans le domaine du back-end. Je dis le domaine du back-end parce que c'est celui que je connais. Puis il y a une autre dimension qu'on a pu voir aussi dans le domaine de la data, qui est aussi, à mon sens, assez passionnant, si je peux vous donner une ouverture pour finir cette présentation, qui est celui de la science. On parle de data scientist. En quoi c'est de la data science? On voit une inspiration, mais est-ce que c'en est vraiment? Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire, voilà, c'est juste pour donner un petit peu de nourriture pour plus tard et une ouverture. Je vous remercie. Si vous avez des questions que vous n'avez pas posées, ben voilà, c'est le moment où on peut encore en discuter. Oui, alors j'ai une question du coup. Je ne vais pas poser la question du front. Est-ce que tu as mis en place d'autres stratégies autres que tout réécrire pour faire évoluer le code? Alors oui. Alors j'ai pas mis en place la stratégie de l'intégration du modèle. En mode juste j'intègre le modèle. Ça, je l'ai pas fait. J'ai fait la reprise et j'ai fait le pair programming. Et voilà, très clairement, j'ai préféré le pair programming. Surtout que finalement, on n'a pas fait toutes les phases de pair programming ensemble. Et enfin, ce que je veux dire, c'est que des fois, le pair programming, ça peut avoir un côté fatigant si on fait ça tous les jours, tous les jours. Et finalement, de mon ressenti, on a réussi à collaborer en ayant chacun notre vision des choses. Voilà, j'attends un peu pour voir s'il y a d'autres questions, surtout que je sais qu'il y a un petit lag. Ça a l'air d'être tout bon. Merci beaucoup pour la presse. Ben, merci à vous d'avoir été là. Merci à Je tous. pense que sur live on m'entend pas très bien, mais ouais, c'était pour la même chose que Flo. Est-ce que tu peux demander un petit rôti? Oui, t'as raison. Je vous propose qu'on fasse un rôti. Donc, un rôti, c'est l'idée de donner une note de 1 à 5, grosso modo. Donc 5, c'était génial. Voilà, j'ai tout appris ici. Et 1, c'était bon, bah finalement j'aurais dû être ailleurs et puis bon, ça m'a pas servi, voilà, tout simplement. Et au milieu, on a un petit peu tout l'éventail, quoi. Tu nous fais un petit décompte? Ouais, il y en a qui ont déjà commencé à donner. Mais en plus, je suis en lag. Bon, je vais donner un décompte. 5, 4, 3, 2, 0. L'air bien uniforme. Oui, c'est vrai. J'aime bien la réponse. J'aurais dû être ailleurs, mais je suis confinée. Ah, c'est Gauthier, hein? Ouais, on fait ce qu'on peut. Bon, bah très bien. Juste pour fi. Oui, fait, tu veux dire quelque chose, Colin? Bah, tu nous fais une petite pub pour la suite? C'est exactement ce que j'allais faire. Oh putain.
Alors, je ne sais pas quels sont les événements là qui viennent. Je sais qu'il y a un point avec la Duchesse, mais je ne sais plus quand c'est. Le prochain, mercredi 13, donc il y a un point lecture avec le meet-up avec les duchesses. Le prochain Codine Dojo, je ne sais pas s'il a été annoncé. Non, je crois qu'il n'y a que le prochain qui est annoncé. On en parlait tout à l'heure, mais je ne crois pas qu'il y ait d'annonce. Ok. Donc, Par bon. contre, pour mercredi, si vous avez envie de venir parler d'un bouquin que vous avez lu, que vous avez aimé ou pas aimé, n'hésitez pas à vous manifester. Ok, je vais répéter du coup au cas où. Du coup, s'il y a un bouquin sur lequel vous avez envie de parler, d'échanger, ou un bouquin d'ailleurs, j'ai bien aimé ça dans le meet-up, que vous considérez qui n'est pas forcément une bonne idée, ça peut être aussi l'occasion de venir en discuter lors de ce prochain meet-up. Ça va? Quelque chose à ajouter? Bah, c'est ça, faut que les gens se manifestent parce qu'il y aura il y aura vraiment deux parties. Il y aura les gens qui présenteront des bouquins et les gens qui regarderont sur Twitch. Donc mettez un petit commentaire sur le Meetup si vous voulez parler. Oui. Et oui, juste une chose, donc il y aura des personnes qui suivront le Twitch. J'ai peur de mal le prononcer. Et du coup, l'idée, c'est que bah, si vous voulez participer à la discussion, n'hésitez pas à le dire dans le meet-up. Voilà. Je répète ce que dit Colin. Dernière pub, juste pour dire, là aujourd'hui c'est moi qui ai présenté quelque chose, mais ça peut être n'importe qui d'entre vous. Voilà, donc. N'hésitez pas à vous manifester. C'était bon? Bah écoute, je pense qu'on est au top. Ok. Eh ben, merci beaucoup à tous. Merci. Ouais. Bonne soirée.